Le programme Nour est un ambitieux objectif de production de 2000 MW à 2020. C'est aussi une mesure concrète, parmi les plus importantes prises au niveau national. L'impulsion et la vision royale d'un Maroc vert et énergétiquement indépendant placent le Royaume à l'avant-garde du calendrier mondial des problématiques liées au changement climatique. La première réalisation du programme Nour reflète cette avant-garde. Nous sommes à Ouarzazate, où la plus grande centrale solaire CSP au monde, d'une capacité de 160 MW, est en cours de développement. Le lancement des centrales solaires Nour Ouarzazate 2 et Nour Ouarzazate 3 satisfait également aux critères d'excellence, d'innovation et de créativité chers au Maroc. Nour Ouarzazate 2 utilisera, tout comme la première tranche, la technologie thermosolaire à capteur cylindro-parabolique. Les technologies thermosolaires, CSP, sont un véritable pari pour l'avenir et une approche adaptée aux besoins de l'ONE, premier client de Mazen et in fine de consommation nationale. En effet, le CSP permet un stockage de l'énergie à même de délivrer une électricité compétitive après le coucher du soleil, ce qui colle au principal pic de consommation de la journée. Le champ solaire est composé de plus de 20 000 collecteurs, regroupant près de 2 millions de mètres carrés de miroirs, soit la taille de 250 terrains de football. Le Power Block, lui, se compose principalement d'une impressionnante turbine lourde de centaines de tonnes. Nour Ouarzazate 2 aura une capacité de production brute de 200 MW et permettra de stocker plus de 3 heures d'énergie grâce à des paires de réservoirs. La troisième tranche du complexe Ouarzazate sera l'occasion d'introduire une nouvelle sous-technologie thermosolaire. En effet, Nour Ouarzazate 3, qui aura une capacité de production autour de 150 MW avec un stockage également, et s'étendra sur près de 750 hectares, utilisera une tour solaire pour transformer les rayons captés par les miroirs en vapeur. Nour Ouarzazate 3 totalisera une surface réfléchissante de plus d'un million de mètres carrés, soit 185 terrains de football, utilisant plusieurs milliers de miroirs rectangulaires. La tour solaire de Nour 3 culminera à plus de 200 mètres. Cette cheminée qui agit comme une machine thermique est particulièrement adaptée à la région désertique de Ouarzazate. À l'achèvement de ces deux phases, la quatrième et dernière centrale du complexe solaire Nour Ouarzazate 4, d'une capacité brute minimale de 50 MW, sera développée en utilisant la technologie photovoltaïque. Les 500 MW de production électrique auront alors été développés en se basant sur les deux technologies solaires, complémentaires que sont le CSP et le photovoltaïque, et représentant la consommation d'électricité de près de 4 millions d'habitants. Mazen, pour un Maroc rayonnant.